Ah, monsieur Lennon, je suis en compagnie de plein de gens qui nous regardent. Comment vas-tu? Bonsoir, je suis Bob Lennon et moi aussi sur Fantabob Games, nous sommes en compagnie sans doute des mêmes gens qui nous regardent. Enfin bref, c'est Jeanception, c'est Jeanception. Vous avez la Bob Vision et vous avez en disponibilité la Fanta Vision qui est là aussi. Récupérons un petit peu du fer. Fanta, fais une table de crafting, fais une Des table de fours. crafting, fais des fours, refais-nous un lit si t'as les moyens. Non. Mais fais attention, j'entends un zombie. Non, non. Un zombie sur notre droite, Fanta. Ouais. Sois extrêmement prudent, surtout. Ouais, non, mais attends, je suis Chuck Norris. Mais n'oublie pas, hein, tous les jours, tu bats les cartes. Tu. Pardon. Je suis désolé, mais ça fait marrer les traductions. Alors. Hop. Surtout, cette musique, on l'entend partout, elle me rend fou. Je vois du fer. Passe-moi des torches, en fait, Fanta. Mais je viens de t'enfiler. Ah non, tu les as Mais pas non. prises. Du donner du tout. Si, tiens, regarde derrière toi. Ah, voilà des torches, des candles, comme je les appelle. Alors, voyons voir. Like a Voyons voir. candle in the wind. Oh, purée, c'est par là, ça a l'air chouette aussi. Ouais, exactement. Bah, écoute, on s'arrête pour prendre les ressources au fur et à mesure, hein, parce que sinon, Ouais, on va attends, là, il y continuer a à plein de explorer. métal que j'ai pas pris. Le métal est le plus important. Le métal! Métal! Exactement. Hop, hop. Ding. Tink, tuk, 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 tuk. Et ben voilà, par contre, on aura suffisamment de métal pour se faire peut-être une armure intégrale et des outils, du bon matériel. Ouais, Avec de la chance, carrément. on pourra aussi peut-être avoir un minimum de matos en diams si on arrive à récupérer ça, que ce Alors, soit des armes. là c'est à gauche, donc c'est par là qu'on vient. Où c'est qu'on Attends. pose notre petit campement? On peut se faire un petit campement. Oui, mais là justement, le campement, il m'a l'air bien. Alors attends, là, Est-ce que c'est tu veux un. qu'on aille chercher le lit? C'est par là qu'on vient. Non, non, parce que j'aurais peur de ne pas retrouver la route éventuellement. Oh si. On Oula. va se paumer, Fanta, il y a tellement de ressources ici, je veux pas qu'on aille chercher le lit tout de suite. Enfin, tu es reparti en sens inverse du Non, coup? non, je suis Non. là. Ok, On on fait y va. un coffre et on pose le diamant, déjà, ce sera toujours ça. On pourra rechercher à la quête de notre trésor si jamais. Tiens, regarde-moi ça. Regarde-moi ce passage-là. Oh putain, un Crips. Ah, un Crips. Il peut pas me toucher. Oh, je mets le guac. Il explose. Il a tué tous les champignons. C'est pas grave. Oula, mais t'es parti où? Ben, je ne sais pas. C'est pour ça. Restons prudents, surtout, Fanta. Ah ouais, non, Prudent. mais carrément. Là, on est tombé, il y a encore des ouvertures. Ah, ce que. Prudence, Pardon. prudence, Fanta. Prudence. Prudence. Aïe. Recule. Recule. Engeance de l'enfer. Oh putain, j'ai plus de bouffe. Enfin. J'ai plus, j'ai très faim. Oh nom nom nom. Mode pain activé. Le pain à l'infini. Ah, moi aussi, je dois avoir faim. Et là. Et C'est bon, là. recule, recule, Fanta, je vais couvrir. Qu'est-ce qu'il y a Et là, par c'est un cul-de-sac qui mène à du gravier. Parfait. Excellent. Là, on devrait être safe. On entend des monstres, mais. Ah, j'ai plus ma pioche en fer. Elle a été détruite. C'est pas grave. Fanta, retourne là où c'était un peu plat et fais-nous un campement digne de ce nom. Coffre, four et je sais pas, boudoir, baignoire, piscine à vagues et Entendu. exactement. N'oublie pas la piscine à vagues, essentiel. Ça sera par ici. Ah, oh, purée, saloperie. Hop, hop, hop. Hop là. Ok, alors ce que je vais faire, ça va être Tellement de charbon. chop chop. Il faut me faire une pioche en fer aussi, si tu peux. Et toi, fais-toi une pioche en dame, diams, si tu te sens le luxe. Non, on n'a pas. Ah ouais. Ouais, si tu te sens luxueux, ouais. Ah, ouais, Suffisamment attends, luxueux. attends, attends. Je regarde où c'est que j'installe le campement. Et à l'unanimité, nous disons par ici. Parfait. Donc là, c'est par là qu'on remonte. Super, j'ai fait le passage. Là, je vérifie quand même qu'il n'y ait pas rien. Putain, ça pue le diamant ici. Ah ouais, il Là, doit y en avoir plein. On va y a un se. océan super libre. Par contre, j'entends des onzons, donc On partout, hein. ira dans le Never. Avec un équipement entièrement bleu, azur. Exactement. Allez, voilà les zombies.
Voilà. Voilà, explose. J'avais besoin de cobble. Enfin, de pierre. Et c'est bien comme ça. Ok, maintenant je vais mettre un nouveau symbole, Fanta. Quand on met une ligne de cobble, c'est une ligne de cobble sur un. Comment ça s'appelle ? Sur un. Attends, il y a un truc en dessous là. Regarde, il y a de l'eau. Il y a de l'eau et un zombie. Regarde-moi cette saloperie. Je l'ai vu parce qu'il bug en fait. Bon, j'avais pas besoin de 5 fours, enfin quoique. L'objectif n'étant pas de faire des économies de charbon, il y en a de partout, on s'en fout. Exactement. Mais d'aller vite, hein, sinon ouais, l'épisode... Ouais. Ah, ouais, il est mort. Ça va être un peu long. Donc, quand je mets une ligne de cobble sur l'entrée d'une galerie Fanta, c'est qu'elle n'est pas explorée. C'est juste que je la garde pour plus tard, tu vois. C'est-à-dire, il y a des torches, on a l'impression que c'est exploré, tu vois ce que je veux dire. C'est que... En fait, c'est juste que j'ai avancé sur 10 mètres et que j'y ai mis... Ah, toi, t'as mis des barrières, en fait. C'est encore plus mal. Fanta est un mal. Je vais d'abord me faire une chier de torches, voilà, plein de torches. Ensuite, qu'est-ce que je peux me faire d'autre ? J'avais pas besoin de tout ça, c'est pas grave. Hop, est-ce que tu as du métal ? Le métal fond ? Le métal est en train de fondre, je peux... Oh putain, toi aussi, t'en avais un paquet. Oui, j'en avais une chier, moi. Je vais même faire... Je vais même fondre l'or, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais t'es rapide. Hop. Comme l'éclair. Mais oui, je suis trop rapide, de vitesse. Du métal qui fond là, il n'y a plus de charbon ici, voilà c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est bon, on augmente la productivité de métal, voilà, hop, on pourra même se faire un stuff en or si c'est pas de luxe, et je te propose qu'on explore pendant que ça fond. Moi je vais faire un petit peu de torche. Attends, je vérifie quand même qu'il n'y a rien ici de douteux. Ouais, tu vois, ça m'a l'air douteux ça par contre, tu vois ce passage. Un petit peu, c'est beaucoup quand même. Ça m'a l'air douteux tout ça, Fanta. Hop là. Il nous faut un coffre. Alors. J'ai du bois. J'ai du bois, j'ai une chier de bois, je peux faire un coffre, bouge pas. Un double. Hop. Un double coffre ? Ouais. Monsieur veut du luxe. C'est notre chez nous. Exactement. Hop. Hop, planches, pourquoi t'as mis des cobble par là ? Je t'ai dit, c'est une barrière. Je n'ai pas de barrière en fait, mais c'est ma barrière à moi. Ça veut dire que l'endroit est inexploré. Bon, je mets de la barrière et. Aussi. L'endroit est inexploré. Il ne faut pas qu'on y... Enfin, il faudra qu'on y aille. C'est juste que pour l'instant. Hop. Ah, il y a aussi au-dessus, il faudra qu'on y aille. Purée, il faut qu'on y aille partout. Ouais, c'est clair. Allons-y, Fanta. Moi, j'ai besoin de pioches. Moi, j'en ai plein. J'ai des pioches en pierre, mais j'ai pas de pioche en fer. Ah, il faut une pioche en fer. Là, on a de quoi en faire au moins deux chacun, enfin, un truc comme ça, et de se craquer, je pense. Sinon, je vais utiliser du gravier de partout pour bloquer la lave. Alors là, j'ai fait trois pioches en fer. T'en veux une ? Oui, j'en voudrais bien une. Une ou deux ? Deux de préférence. Ok, donc on va avoir une production de psychopathes. Hop. Hop. Oula. Oula. Pioche en fer, parti. J'en ai quatre, donc deux chacun, c'est bon. Qu'est-ce que je peux nous faire ? Des bottes ? Des jambières, plus important. Ok. Je t'en fais une et puis je regarde si je peux en trouver d'autres, du métal. Ok. Oui. Attends, voyons voir si je fais ça. Parfait. Du coup, je vais pouvoir signaler l'escalier en faisant ça. Excellent. Excellent, Fanta. Excellent travail. C'est la gratuité. Hop. Alors, voilà, on a 13 ça, de métal. Je balance. On a 13 de lingots de métal, je le mets dans le coffre. Eh ben écoute. Alors, laisse tout cuire, Fanta, fais-nous juste des pioches et puis roule. Non, non, mais là je suis en train de faire tous nos équipements. Ah. Hop, alors déjà, je vais te donner des trucs. Et je vais en mettre pour moi. Ici. Ici.
Ça, c'est pour toi. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, attends. Il me faut encore du métal. Quand j'ai qu'une seule pioche en fer, remboursée. Non, je t'en ai donné deux. Non, c'était une pioche en pierre. Tiens, que tu m'as... prends ça, si tu peux. Non. Ah. Voilà. Je te donne tes petites bottines. Oh yeah, des bottines. Pas de casque. Pas de casque, parce que pas de casque. J'ai un faciès. Ah non, moi je mets mon casque. Moi je tiens ma sécurité. Est-ce qu'on se fait une pioche en diamant ou une épée en diamant? Une pioche en diamant, je dirais. Ce sera plus utile et plus rentable sur la durée. Tu verras qu'on creusera plus vite, donc on aura moins de... C'est... on gagne du temps, tu vois ce que je veux dire. Et fais-toi un casque. Tu as un casque? Tu te l'es fait ou je te le fais? Je me le suis fait et je le mets sur ma tête. Vas-y. Voilà. Oh, voilà. Avec mon skin, t'as la super classe parce que tu ressembles à un paladin. Voilà, c'est super stylé. Alors que moi, c'est pas encore... Ah, mon épée est presque niquée. C'est une épée en fer? Ouais. Bah attends, je vais la faire. Ah, je meurs de faim. J'ai de la viande de zombie. C'est bon, j'ai du pain. Rendu. Hop, voilà ton épée en fer. Il l'a. Eh ben écoute, t'es prêt? Je regarde, oui, je l'ai. Ou j'en vais dire, t'es prête? En gratuité, allons-y. La baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ok, j'ai fait un signalement avec des torches. J'entends un zombie. Je le vois, il est là. Fais-nous un saut aussi avec du fer, juste un saut. Ouais, si on trouve de l'eau, ça pourra servir. Bah, il y a juste en dessous en fait. Juste sur le chemin de retour, là, tu vois, à 5 mètres. Et il y a plein de zombies qui popent ici d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils se sentent le droit de popper. Je vais mettre une torche pour leur apprendre le respect. D'ailleurs, je vais peut-être faire deux sauts, comme ça on en a chacun un. Yeah, à moi le fer! Hop, et puis c'est tout! Et puis on est bon là. Descends en dessous, il y a une source d'eau qu'on peut récupérer. Et le diamant, bah, il va être là, hein. Ça sentra bien. Un saut, donne-moi le saut. Ah, mal saut. Mine! Mine, 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 mine! Enfin, pardon, à moi. Hop, ça. Et j'ai déjà une source d'eau. Tada! Et moi, je meurs de faim encore. Encore? Attends, voici de la viande. Chou! Ah, mais j'avais. Mange tout! C'est pour ça. J'en ai un gros paquet. Mange encore! Oula, il y a un squelette et un zonzon qui se permettent de nous regarder de travers là-bas. C'est risqué. Nam nam nam, c'est dégoûtant, Fanta. Mais non, je suis propre. Viens, viens, viens. Allez, en dessous, on descend. Tu vois, j'ai fait un signalement avec des torches. En barre pour montrer c'est par là qu'il y a l'escalier pour revenir. Tu suis. Alors ici, bien. Par contre, regarde. Sécurisation. Par contre, on n'y voit plus rien du tout. Mais on va suivre ce trajet de lave. J'aurais bien besoin d'une... Bon, pour l'instant, pas grave si j'en trouve pas, mais prochainement, je prendrai une source d'eau aussi. Ah, une araignée. Bute-la. Je l'ai pas vue, je sais pas où elle est. J'assume qu'elle est déjà morte. Elle est morte. Puisqu'elle ne le savait pas. Malheureusement, Fanta, ceci ne mène à rien, là. Je suis en train de creuser un peu pour voir. Non, il faut aller par là. Bon, et bah écoute. Pour explorer. Hop. T'es parti sans doute dans l'autre direction que moi, mais c'est pas important. Je continue d'explorer. Bon, c'est un cul-de-sac, mais au moins, c'est clair. Le charbon, ouais. Moi je suis parti de l'autre côté en fait, quand t'es en face de la mer de lave que j'ai bloqué. Ah ben non, mais t'es là en fait. C'est bon, c'est un cul-de-sac. Cul-de-sac? Eh ben il va falloir le bloquer en fait. Je crois qu'on va... On va utiliser quel signal pour bloquer une route qu'on a déjà explorée? On va empiler les poteaux sur toute la hauteur. Comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est une bonne idée. Ouais, c'est moche. Mais non, mais c'est moche, mais on s'en fout, c'est pas important. Voilà, comme ça au moins on sait. Allons-y. Ensuite, de l'autre côté, Fanta, tu me suis, t'es toujours là? Ouais.
Ok, on progresse. Là, ne tombe pas. Attention, attention, c'est pas safe. Ouais, j'ai failli tomber. Voilà, un peu plus safe tout de suite. Ce serait intéressant qu'on vire le gravelar pour voir ce qui s'y cache là. Parce que moi, je suis curieux, perso. Bah écoute, j'ai une pelle. Hein. Hop là. Je crois... Technique de cobble de l'infini. Oh, blocage de la lave. Oh, comme la lave n'a pas son mot à dire. Domination totale de la lave. Ok, du lapis lazuli un petit peu, j'en récupère parce qu'on sait jamais, ça pourrait être marrant de teindre un mouton en bleu. Teindre un mouton en bleu. J'aime bien, on est sérieux parce qu'on est concentré. Ah, de la lave. Ouais, c'est moi qui. Là, je suis à fond concentré. Attention. Il y a du risque à ne pas prendre. Hop, voilà. Et en fait, Fanta, je te propose soit qu'on déblaye un peu le chemin, soit qu'on suive la lave jusqu'à tomber sur une caverne ou un truc qui se rapproche. Regarde, viens avec moi. Ouais, je veux bien te suivre. Voilà. Hop, moi je rentre par ce passage. Je mets une torche pour qu'on y voie quelque chose quand même. Parce que non. Et on la suit. Et on finira par tomber sur quelque chose de... J'ai eu peur, tu m'as poussé pendant une seconde. Attends. Pareil. Je vais sécuriser. Sécurisation. Voilà, c'est safe. Tiens, regarde, ça amène quelque chose. Ça nous amène à quelque chose, regarde là. Ouais, un petit cul-de-sac. Oh, du l'or. Du métal. Métal, bien. Je vais refaire un coup d'eau pour qu'on se fasse pas avoir. Ok, coup d'eau. Attention. Recule. Coup d'eau. Ha ha. Vraiment pratique. Hein. Ouais. Mais tu vois, on va être obligé à un moment, si on suit la source, entre guillemets, de tomber sur un simili caverne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je crois pas. D'où tu doutes? Ma foi en les nonnes. Ta foi dans la voix du bobisme n'est pas suffisamment forte. Attention, coup d'eau. C'est pratique ça quand même. Un crips. Tu vois que ça mène quelque part. Il aurait pas pu popper sinon. Tu crois? Arc. Gac. Ah ouais. Donc. Et là pour sécuriser, plutôt que de mettre un couteau, on met deux trucs comme ça. Tu vois, on peut pas marcher sur la lave, ça fait que. Là, il y a du redstone, je prends. Bon, tu peux virer la flotte, là ou... Bah, j'aimerais bien, mais la source est vraiment longue. Ah, d'accord, mais c'est pas toi qui l'as mise. Ah non, pas du tout. Putain, mais comme ma bite. Tu pensais pouvoir en échapper, Fanta. Tu pensais pouvoir fuir. Donc, c'est de là que vient le Crips. Et en plus, il nous a suivi, le fumier. Ils sont malins, ces creepers. Tu l'as bloqué? C'est génial. T'es trop fort, trop de talent. Non, je l'ai récupéré, parce que j'en aurais peut-être besoin moi aussi. Oui, forcément. Mais... Hop, et voyons voir où ça mène. Je vois de la lumière naturelle, mais elle n'est sans doute pas de nous, là non plus. Ouais. Deuxième source de lave, Fantal, il y en a deux là. Soit une à droite, soit une à gauche. Je propose qu'on commence là parce qu'il y a un petit peu de fer. Je regarde jusqu'où ça peut mener. Pas grand-chose, pas très loin. Hop. Est-ce qu'on commence à stocker un peu d'obsidienne pour un futur portail? Est-ce que tu as une pelle en, enfin une ouais. Diams? Eh ben ouais, bonne chance, mais dans ce cas ça va être très très chiant. Alors après tu choisis qui des viewers de Fanta ou de Bob devra subir. Bah reste à côté. Je crois qu'on va se partager la tâche, parce que sinon le temps de bah non, tu peux le pas. Le temps de creusage, bah, tu prêteras ta pioche pendant 5 secondes. Ah c'est sympa, ouais. Le temps de creusage sera trop long, sinon... Il nous en faut combien de 6, non? Alors non, il nous en faut 12, je crois. 3, 6... Ouais, 12 sera sécurité. 12, c'est pour la sécurité, en fait. Je pense pas qu'on ait besoin exactement de 12, mais c'est plus safe d'en avoir 12. Et donc là, il y a une deuxième descente de lave. Il va falloir y passer, donc il faut prendre. Ouais, je sais, mais c'est pas... Hop, j'ai pris une partie, et je te donne la pioche. J'arrive. T'as pris combien? 5. Parfait. Hop, je suis là. Je prends le 6e. Et puis à toi la corvée.
Exactement. Alors, si vous êtes passionné de minage d'obsidienne, rendez-vous sur la Bob Vision, c'est tout de suite. Exactement. Oh, regarde ce que j'ai trouvé en virant un peu le du fer, pour plaisir. D'accord. Ah, où est la pioche? Alors, dans ma main, tiens. Répétez. Allez, vas-y, creuse. Excellent. Et bonsoir, nous sommes donc au magnifique minage de Bob Lennon. Ça commence tout de suite. Ça mine comme un gros psychopathe. Le bloc d'obsidienne ne comprend rien. Il est violé, il est là, il est timide, il n'a absolument rien compris. Bob Lennon a commencé à taper avec sa pioche en diamant. La pioche en diamant, et voilà. Et voilà, et voilà. Bob Lennon, 10e dan de karaté minecraftien du minage. Hein, il maîtrise l'art du cubisme contemporain. Et il est reparti. Il est reparti sur un deuxième bloc. Pendant que je vous parlais, ça va beaucoup trop vite. C'est un fou. C'est un fou. Et déjà le deuxième bloc à une vitesse absolument incroyable. Il enchaîne juste derrière. Le troisième. Il est beau. Il est violé. Il ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Ses amis commencent à être terrifiés, chers amis. Il en reste. Mais oh mon dieu, regardez ça. C'est une merde obsidienne à laquelle est confronté Bob Lennon. Malgré sa pioche en diamant, est-ce qu'il arrivera à finir tous les blocs d'obsidienne et en avoir suffisamment, chers amis? Restez. Oh, de la lave! Il y a de la lave! Bob Lennon est en feu! Non, je déconne, c'est pour inquiéter Fanta. C'est juste pour mettre la flip à Fanta. Mais cette lave est gênante, hein, pour de vrai. Oh, et voilà. Oh, je devrais commenter des trucs débiles. Je sais pas pourquoi je le fais pas plus. C'est con, hein, je devrais. Hein. Putain, ah, c'est bon, je l'ai récupéré. Bientôt. Bientôt. Soon you will be mine. Attends, recule, Fanta. T'en as combien? Justement, c'est j'y travaille. Hop. Voilà, et lui, je le récupérerai safely, donc. Il nous faut du diams à mort. Exactement. Diamant. Le diams, c'est chic, pardon. T'en as combien? Je suis sûr que t'en as assez. J'en ai 8. Ouais, bah c'est parfait. Allez, on y va. Et voilà. En plus, le pire, chers amis, c'est que vous n'avez pas vu le temps passer. Et Fanta récupère le merdier. Qu'est-ce que tu fais? D'accord. Ah, quand même. Je te rends ton matos, faut pas déconner. Et je suis sûr que vous avez pas vu le temps passer, hein, pendant ce minage absolument exceptionnel. Et du coup, ça c'est fait. Récupérons un peu de charchar qui traîne là, du charchar beams, on avance. Au moins ce charbon là est pas en 3D. Alors t'es parti par où? Oula, gros bug pour moi, est-ce que c'est planté? Ouais, c'est récupéré, a priori. C'est bon, ça. Attends, stop, je relance l'enregistrement, on ne sait jamais. Oui, voilà. Et il est reparti comme un fou. Moi je propose, de toute façon, on va continuer encore un peu dans cette grotte. Et là on a mis une barrière. Pourquoi t'as mis une barrière, Fanta? Inexploré. Ah, viens voir. J'ai un bug majeur là. Ah. C'est complètement bloqué. Complètement moutépic. Voilà, débloqué, mais c'est bizarre. Hein. Fanta, tu as. Alors, je vais laisser deux morceaux de ta barrière pour qu'on puisse comprendre que c'était inexploré avant. Mais, oui. Ça ramène chez nous. D'accord. On est trop fort. Eh ben, il faut qu'on explore une autre passage qui s'enfonce profondément dans les souterrains. Là, je propose maintenant qu'on en ressorte, Fanta, ici. Alors, attends, moi, je mets des trucs à brûler. Je trouve pas de. Comment dire, je vois pas quel endroit. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en fait ici, tu vois ce que je veux dire? Bah, chercher du diams, hein, c'est tout. Mais non, mais on a. Je veux bien, mais on a trouvé tout ce qu'il y avait ici, j'ai envie de dire. Ah, tu crois? Non, il y a des grottes qu'on a pas faites. T'es sûr? Des passages qu'on a pas explorés, des trucs qu'on a omis? Ouais, ici, regarde. Ah, j'entends un prrrr. Alors, je sais pas ce que ça veut dire prrrr, mais c'est sans doute pas positif, le prrrr. Fais très attention. Eh gros, il n'y a pas que toi, un canard, tiens. Pouvoum. Ah, ça, on n'a pas exploré, par contre. N'est-ce pas? Pardon? On n'a pas exploré, ça. Non, c'est ça que je te dis. Eh ben, la technique, c'est ouvre la barrière, mais tu laisses deux morceaux de barrière de chaque côté. C'est un morceau de barrière de chaque côté, je veux dire. Ce qui fait qu'on sait que c'était bloqué un jour, mais qu'on l'a exploré. Alors, j'ai un gros problème avec mon jeu. Il faut que je relance le Minecraft. Ok, bah, pas de panique. Complètement free, j'attends que ça débloque, je comprends pas pourquoi. Eh ben écoute, on en profite sans aucune forme de pitié, on va terminer cet épisode là-dessus et on reprendra le prochain, non? C'est à peu près le timing qu'on a, non? Ouais, parfait. Bah, désolé les amis, on se retrouve pour une prochaine session et on vous fait plein de gros bisous et à très bientôt. À la prochaine!